Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller sur le dating moderne, le modern dating, les attentes. Et des fois, nos attentes, on ne se rend pas compte, c'est ça qui nous ferme les portes. Ça nous ferme les portes, c'est-à-dire que quelqu'un fait l'effort pour pouvoir bien agir avec nous, bien se comporter, nous donner. Et nous, avec notre manque d'humilité, notre attente irréaliste des fois, ou des fois, la façon de présenter nos attentes. OK, on va y aller comme ça. La façon de présenter nos attentes est problématique. Et justement, il y a cette femme. Parce que maintenant, on est dans l'ère que tout se filme. Le monde prenne son cellulaire pour buzzer, pour faire du buzz sur le dos des gens. Donc, cette femme, elle-même, elle a filmé. Elle a filmé sa scène. En tant que telle, on l'explique. Cette femme, en tant que telle, elle a rendez-vous, donc son premier date avec un type. On ne sait pas si elle l'a rencontré sur les réseaux ou ce qu'elle a rencontré. Et justement, en discutant, ils ont rendez-vous pour aller manger ensemble, apprendre à se connaître. Et le type passe la prendre. On peut comprendre qu'il n'est il est pas rentré chez elle, venir frapper à la porte. Elle a seulement dit, viens me rejoindre dans tel coin et puis on y va. Donc, il arrive, il roule. Il arrive dans le coin, elle est là en effet. Donc, OK, viens, on peut y aller. Elle reste, elle bouge pas, elle dit « Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Viens m'ouvrir la porte! Viens m'ouvrir la porte! » Et elle le répète à plusieurs fois, et puis lui, OK, il est resté en mode, il a pris du temps à capter. Il a ouvert la porte de l'intérieur, donc il a ouvert la porte, et il a fait « Non, 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 c'est pas comme ça que tu vas m'ouvrir la porte, tu te prends pour qui, là? » Et puis, elle a de l'attitude. Tu sais, quand je vous dis, quand on utilise la force masculine pour avoir quelque chose d'un homme hétéro, on ne va rien avoir. On peut déjà se dire ça. Quand tu utilises la force masculine, ton énergie masculine pour avoir quelque chose d'un homme hétéro, tu ne vas rien avoir. Un hétéro, il va être amadoué. Sa faiblesse, ça va être la force féminine. Et là, après un moment, elle commence à parler, à s'impatienter, puis le temps passe parce qu'il a réservé un restaurant pour elle. Il finit par comprendre. Donc, il sort de l'auto, il vient lui ouvrir la porte. Et même quand il ouvre la porte, elle reste dans son énergie masculine, elle lui fait de l'attitude en disant comme, sans humilité. Le manque d'humilité te fait perdre des portes. Ah, mais au moins, t'as compris, là. Oh. Tu sais, elle a fait une attitude avec lui. C'est comme, le gars, OK, il a pris du temps à comprendre pour faire ce que tu voulais, il a fini par le faire. Et toi, tu lui montres que t'es dégoûtante. Tu lui montres que il va rien recevoir de toi. Il va pas être béni avec toi. Bref. Et là, le type, après un temps, quand il constate ça, la première chose qu'il fait, il fait, je perds. Tu sais, c'est comme, il a réfléchi tout de suite, il a dit, mais là, je prévois aller dans un restaurant chic, parce que c'est un restaurant, il a dit, il a réservé un restaurant, $200 le couvert, $100 le couvert. Donc, les restaurants 5 étoiles, les beaux restaurants qu'on veut que les hommes nous amènent, et puis on veut se sentir importante, les beaux restaurants chic. Mais là, lui, dans sa tête, quand il a fini d'ouvrir la porte, il a vu son attitude, il a fait, non, 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 non. Ici, donc, ça vient de commencer, ça me donne déjà chaud. Elle me donne déjà chaud et ça vient de commencer. Mieux vaut, je laisse tomber tout ça, je la redépose, je la laisse où ce qu'elle est et je retourne chez moi. Parce que, belle ou pas, ça ne vaut pas la peine. La vie est déjà assez compliquée. Si je veux une personne dans ma vie, une partenaire de vie, je veux quelqu'un qui va pouvoir être, je vais pouvoir mettre ma tête sur ses épaules, elle va mettre sa tête sur mon estomac, elle va pouvoir utiliser la dose féminine, elle va pouvoir me faire du bien. Je veux pas être là dans le casse-tête complètement et qui va avoir zéro humilité parce qu'il va me prendre comme étant tout, je lui dois tout. Sa présence, c'est une dette que j'ai envers elle. Il a réouvert la porte et elle dit, tu sais quoi, tu peux sortir. Elle est surprise. Elle comprend pas pourquoi. T'es sérieux? Pourquoi tu veux que je sorte? Non, tu peux sortir de mon auto. Elle finit par sortir, elle a compris. Elle sort de l'auto, mais, et puis lui, il se met devant elle, il dit, tu sais quoi? J'avais en effet prévu qu'on aille dans un tel restaurant, un beau restaurant, tout était réservé, et puis j'arrivais pressée pour être à temps pour t'amener dans ce restaurant-là. Sûrement, j'imagine qu'ils avaient discuté ensemble, et puis il a compris, OK, elle aime tel type de restaurant, je vais la faire plaisir, je vais aller dans cette gamme-là. Mais là, finalement, je me dis, autre que dépenser, je pense pas que je vais avoir du bon plaisir parce que je suis off. Je ne pense pas que je vais avoir du bon plaisir avec toi parce que ce que tu me montres maintenant m'a fatiguée.
Ce que tu me montres maintenant m'a épuisé. Donc, j'aime mieux call it quit. J'appelle ça, c'est terminé. Moi, de mon côté, je m'en vais chez moi, je vais me reposer, je vais prendre un Netflix, je vais regarder une série, je passe à autre chose. De un, je vais économiser mon argent. De deux, c'est comme, je sais qu'est-ce que je veux pas. Et puis, toi, tu vas prendre un autre type qui va aller t'ouvrir les portes, qui va aller te dire oui, madame, et toi, tu vas le crier après, tu vas mal le parler, tu vas le parler comme de traiter n'importe comment. Et elle continue de filmer en plus. Et c'est ça l'affaire. Mais c'est quoi là? C'est quoi le problème que vous avez de toujours vouloir filmer les gens? Et puis de vouloir exposer les gens pour pouvoir montrer, oh, regarde, gardez-lui, juste pour faire du boss. Et en plus, quand il fait ça, c'est elle qui paraît mal. Et là, maintenant, elle est comme, quoi, tu me laisses là comme ça? Ben oui, t'es un casse-tête, t'es un mal de tête. Quelqu'un comme toi, tu vas juste être problématique dans ma vie. Et puis, je vois la balle que tu m'envoies. Tu vas juste être un problème dans ma vie. Il a sûrement eu le temps qu'il a ouvert la porte pour elle. Il a visionné, lui, avec elle, dans une relation, ça va être un casse-tête avec un mal de tête. Ça va être l'enfer sur terre. Il a dit, ah, tu sais quoi, laisse tomber. Je te laisse où ce que t'es. Tu peux sortir de mon tour, je te laisse où ce que t'es. Moi, je m'en vais. Et voici comment, avec l'esprit de dire, moi, je veux le gentleman, le royal traitement, mais toi, tu traites la personne comme ton employé. Tu traites la personne comme ton employé, mais ensuite, tu veux que la personne te traite comme sa reine, comme étant « je suis de tes beaux, je suis tout dans ta vie », alors que tu apportes la misère dans sa vie. T'apportes la misère dans sa vie, t'apportes le casse-tête dans sa vie, t'apportes le peu de reconnaissance, t'apportes rien du tout, le manque d'humilité, t'apportes une attitude dans sa vie. Ah, le type, il dit non, je veux pas ça, je t'ai vu, j'ai vu que t'étais une femme féminine, mais finalement, je te regarde, je retourne chez nous, c'est beau. Je vais garder mon argent pour quelque chose d'autre. Je vais aller jouer au jeu avec mon argent, au pire. Et est-ce qu'il a tort dans ce cas-ci? Là, je vous laisse écouter la petite vidéo, là, l'interaction que cette dame a filmée. Aren't you gonna get out? No, I just opened it. No, you're gonna open my door for me. Come out and open the door for me, or I'm not getting in. No, it's cold outside now. You know, coach, come inside. Come open my door, please. It's cold. You're already standing there. I was just coming. I turned on the car seat. The car seat is. I don't care what you turned on. I'm not getting in the car. I'm not getting in this car until you come and open the door for me. I'm a lady. No, I get that, but you're already standing there now. It's not like I can. You know, I can. But you're there. So I'm just saying, since you're there, I've already opened it. Just get in. I don't touch doors. So come, open the door for me. I drove 30 minutes to get here, and I'm here. I turned on the heater, everything. Even the date we're going on is me that we pay. You see, we pay and I'll bring you back. So the least you can do is come and sit down. I'm offering you free seats. No. I'm not getting in the car. What kind of... Thank you. This is not... This one is wild. We've never started. Thank you for being a gentleman. You're even just it's just normal. Thank you. Why are you like I'm this? Ready now. You know what? Don't worry. Come on. Are you serious? No, just come out because I don't think this. No, come. Just come out. First. Are you serious right now? No, come. I want to show you something. Okay. I want to show you something. I'm very confused. How I drove to this place. I came to pick you up. You could have met me there. I will also pay for the date. This place we are going, minimum $200 that I've spent. And I have to beg you to get in the car. All I was asking is that you just open the door. It's not that I can't open the door. It's just that you already stand. I opened the door twice. Don't worry. You know, sometimes. Where are you going? You just be avoiding problem. Where are you going? I'm getting in my car. I'm opening my door by myself. Are you serious? I just wanted you to be a gentleman. No, don't worry. He's like, enjoy your night. Is he freaking serious right now? Move so that I don't climb on your head or something. Where are you going? We were supposed to be going on a date. Where are you going? No, I'm going home. It's not a... Didn't you drive out here for me? I thought I did, but clearly. Let me just... Respect myself and go home. You know? Wow. Wow. Et la beauté, guys, ok? On peut le voir.
Elle reste, bien entendu, elle va parler avec ses copines, ses autres copines aussi toxiques qu'elle. Oh my god, ce gars était tellement pas sérieux aussi. Né, 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 né. Ah, on les entend. Les gars sont tellement pas sérieux. On les demande que le minimum. C'est pas ta demande qui est le minimum. C'est ton attitude qui est le minimum. Tu sais, c'est un homme, il veut être avec quelqu'un de féminine. Il veut être avec quelqu'un qui est agréable. Il veut passer un bon moment agréable. Donc, même quand il vient t'ouvrir la porte, il veut faire des actions pour toi, il le voit avec ton attitude que tu vas être un casse-tête, que tu vas pas apprécier. Il le voit avec ton attitude que tu vas le critiquer, que tu vas le rabaisser, que tu vas jamais trouver que c'est assez parce que t'es insatisfaite. T'es une éternelle insatisfaite. C'est-à-dire que cet homme-là, il a calculé, il a dit, même si il t'amène dans le gros restaurant chic, vous allez commencer à commander. Toi, tu as bien entendu, il sait déjà, mais j'imagine qu'il a prévu son budget, que tu vas être dans le menu, tu vas prendre le menu le plus cher parce que on peut déjà commencer à prévoir tes actions parce que c'est pas le genre de personne probablement qui a l'habitude d'aller manger. Donc, elle va prendre le menu le plus cher et puis beaucoup de femmes ont ce plaisir de faire ça aux hommes. Je me rappelle, il y avait un clip, il y avait cette femme dans un date. L'homme l'avait amené aller boire un date drink, aller boire un verre, et puis elle a commencé à commander 72 oysters, 72 moules, là, les huîtres. 72 ou 78 huîtres. Et elle avait arrangé son petit set de téléphone en train de se filmer pour faire son mukbang. Le gars était en face d'elle, et puis elle faisait tout ça, là. Et lui était là avec son drink. Il était capable de finir son drink à lui. En plus, elle avait ses petites affaires, ses patates à côté, tous ces trucs. Elle faisait son truc, là. Eh! En faisant les... Elle avait pas le temps de rien faire. Eh! Dites-vous, c'est ça, là. C'est comment vous abusez. Oh, OK, oui, le gars t'invite à boire un verre. Oui, tu peux prendre un appetizer, quelque chose pour manger, pour mastiquer. Tu peux prendre, oui, des petites 6, 8, 12 huîtres maximum. Mais quand tu arrives à 78, c'est que tu as zéro respect pour ta personne et pour la personne. La même façon que cette femme, OK, oui, elle veut le traitement royal, mais tu traites la personne bien aussi. Tu réclames un gentleman, mais es-tu une femme pour que le gars soit un gentleman avec toi? Dis-toi que habituellement un homme, il ressent le côté féminin. Donc elle, l'homme a sûrement vu qu'elle était très directive. Ah, le côté oui d'être directive, c'est pas un problème. Mais tu peux être directive en utilisant ta féminité. Être directive, mais en laissant savoir à l'homme que c'est une dame qui est avec lui. Et lui tout seul, il va agir. Mais quand l'homme est avec toi, et puis en plus, il finit par faire le geste. Il vient sortir de son auto finalement pour t'ouvrir la porte. Et l'attitude qu'elle a faite, ça l'a fait réfléchir. Il a dit, ah, cette femme-là, c'est un casse-tête. Cette femme-là, c'est un problème. Cette femme-là, c'est l'enfer dans ma vie. Elle a beau être belle, avoir un beau look, ou avoir son BBL refait. Ah, les BBL là que vous faites, si vous avez cette attitude-là, votre BBL va servir que à OnlyFans, va que servir dans les réseaux là pour vous vendre ou aller faire peut-être... des relations transactionnelles, vous allez rencontrer des hommes, faire des annonces, rencontrer des hommes, et puis ensuite, c'est terminé, là. L'homme va faire qu'est-ce qu'il veut avec vous, et puis vous laisse là. Parce que, le côté qu'on dit, OK, I'm a queen, mais t'es une queen, mais la personne qui est avec toi, c'est ton employé, ou c'est un king? Cette personne-là, il a une maman aussi. De la même façon que tu dis, si t'as un fils, tu voudrais pas que ton fils soit avec une femme avec un caractère comme ça, mais toi, tu traites l'enfant d'autrui d'une autre femme comme ça. Moi, je dis, ce gars a été sage. Il a tellement bien fait. Il a déjà vu que ça ne servait à rien d'insister. Il a déjà vu que ça ne servait à rien de tenter à expliquer. Il n'y avait aucune explication à dire. Elle aurait été comme satisfaite. Yeah, t'as fait qu'est-ce que je voulais. T'as fini par comprendre. On voit déjà l'attitude qu'elle faisait. En plus, c'est elle qui le filme. Et puis, son attitude était off. Il y a aucune. En plus, elle voulait le filmer. Parce qu'elle l'a filmé, elle a exposé sa face pour l'exposer. Et puis, en voulant l'exposer, encore une fois, comme l'autre fille en France qui voulait exposer son gérant, c'est elle qui paraît mal. Tu sais, c'est comme, pourquoi vous voulez exposer les gens quand vous savez que vous avez tort? Bien entendu, elle va avoir des grosses bourgognes qui vont venir comme elle, qui vont dire, « Oh, girl, t'as tellement raison. » Entre vous, allez manger dans les restaurants de vous et puis vous créez des bifs. Même entre eux, elles sont même pas capables de gérer leur amitié féminine. Donc, Ça peut être une autre vidéo, guys. Doa a des choses à dire. Ça peut être une autre vidéo. Les soi-disant relations féminines, tu les vois, les girls. Ouais, elles vont poser entre eux, faire des belles photos, le temps d'une photo. Mais, après, là, tu vois, une Intel a exposé Intel. Intel fait ci, Intel est jalouse d'Intel. Hey, ça s'expose publiquement. Hey, j'ai vu chez Intel, c'est... Quand tu regardes ça, tu te dis, même entre femmes, relation entre femmes, solidarité entre femmes, c'est...
Ça, et puis là, on regarde. Il y a beaucoup à dire. Mais c'est ce quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait, girl, guys, vous vous plaignez, on se plaint. Le modern dating, en effet, c'est compliqué. On se plaint. Les hommes ne veulent pas assez investir. Bon, surtout dès le début. On parle d'investissement dès le début. Oui, investir que ton temps, ça c'est déjà un investissement. Faire attention à toi, ça aussi c'est des détails. Mais en même temps, tu dois aussi savoir comment l'art de demander et de recevoir. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose et quand la personne te le donne, tu dois apprendre à avoir de l'humilité pour le recevoir. Parce que oui, c'est sûr, peut-être la personne au début, si dans les premiers dates, il n'agit pas directement comme toi, t'avais comme attente. Mais éventuellement, les prochains dates, il va le comprendre. Eh, c'est comme ça que ça fonctionne, le deuxième date. Mais la plupart de ces... Avec une attitude comme ça, après un date, c'est terminé. T'as le premier date, t'as plus de deuxième date. Même le gars, c'est fini. Il te tourne en rond, il a plus envie. C'est à cause de ces attitudes-là. Vous pensez que les hommes ne vous servent pas ça? Ils vont vous amener dans un date, ils vont vous regarder. Oh, après, ça, c'est casse-tête, ça. Il s'en va. Bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi, guys?